Il dit, ce sont ces choses-là qui tuent mes chrétiens. Et je ne peux rien faire. Parfois, je suis patient avec eux. Ils croient qu'il n'y a pas de problème. Mais brusquement, je précipite. Et on dit, ah, lui, il est parti. Il dit, vous ne savez pas? J'ai médité ce matin très beau. Je suis levé vers 4 heures, j'ai médité. Je me parle, vous savez, vous là, vous ne connaissez pas votre vie. Hein? Je dis, très souvent, j'ai dit dans 1 Corinthiens 6, que celui qui s'attache à une prostituée, donc fornication et adultère, il tue son corps. Vous ne croyez pas à ça. Vous continuez à vous tuer vous-même. Et vous permettez à l'ennemi de rentrer pour vous tuer. Et vous jouez avec ça. Il dit, parmi mon peuple, dis-leur, filles comme garçons, il peut avoir des tentations, il peut avoir des problèmes, mais de ne pas arriver aux actes. Aux actes de la fornication et aux actes de l'adultère. Il dit, quand ils arrivent à ça, regarde bien, j'ai dit que je détruis celui qui détruit mon corps. Ils ne savent pas. Et la destruction commence tout doucement jusqu'au jour où ils vont voir des problèmes. Elle va commencer par leurs affaires. Elles vont commencer par leur manière, leur mariage. Elles vont commencer par toutes ces choses-là. Il dit, fais attention. Tu es passé plusieurs fois par des choses comme ça. Il dit, regarde bien. Pasteur, apôtre, missionnaire, donc diacre, diaconesse les femmes, vous êtes en train de vous tuer. Lui qui s'attache à moi est avec moi un seul esprit. C'est lui qui s'attache à une prostituée. Mais je dis prostituée, c'est quoi? Il dit, ce ne sont pas les femmes qui s'asseyent pour faire la prostitution dans les maisons. Pour moi, prostitution, une jeune fille ou une femme qui livre son corps à quelqu'un qui n'est pas son mari, tant. Et dites-vous, jouez avec ça. Jouez. Samson s'est tué. Salomon s'est tué. Ils se sont tués eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Il dit l'argent. Ananias et Saphira sont tués. Impureté. Les Samsons sont tués. Il dit, ce sont ces choses-là qui tuent mes chrétiens. Et je ne peux rien faire. Parfois, je suis patient avec eux. Ils croient qu'il n'y a pas de problème. Mais brusquement, je précipite. Et on dit, ah, lui, il est parti. Il dit, vous ne savez pas? Et encore. Il dit, vous êtes des gens qui savaient jouer. Bon, c'est moi qui donne le mot théâtre maintenant pour exprimer. Vous savez manipuler les gens. Vous êtes là dans l'impureté. Total. Mais vous jouez. Personne ne sait que vous êtes dans ça. Vous faites tout. Votre manière de marcher, votre manière de vivre, tout semble être sain. Alors que vous savez que vous êtes dans l'impureté. Alors que moi je sais que vous êtes dans l'impureté. Alors que Satan sait que vous êtes dans l'impureté. Comment allez-vous vous en sortir? Ils sont nombreux comme ça dans mon église. Pasteur, apôtre, prophète, tout le monde. Ils sont nombreux. Quand ils vont prêcher sur la sanctification, c'est l'homme le plus saint, alors que c'est l'homme le plus vulgaire qui est devant toi. Quand ils vont condamner quelqu'un, tu vas croire que lui-là, il n'a jamais regardé une femme. Ce matin, j'ai souffert. Hein. J'ai souffert. Tu m'entends? Si tu joues avec ça, ta vie est en danger. C'est la mort qui vient. Il faut arrêter. Tenter, il n'y a pas de problème. Tu peux tenter, tant. Tu reviens vite. Mais ne pose pas l'acte. Et si tu poses l'acte là, c'est fini. Ta mort est programmée. Alors, quiconque m'attend ce matin, qui a laissé sa femme, qui est avec une femme là, il a commencé sa mort.
Ah oui. Si tu es femme, tu as commencé ta mort. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Voilà. Ok. Oh. Va lire dans 1 Corinthien. Va lire là-dedans. Va lire là-dedans. Faut qu'on arrête de jouer à l'hypocrite. Faut être honnête avec soi. Honnête avec Dieu. Honnête avec Satan. Tu ne peux pas échapper à ces trois-là. Personne. Tu ne peux pas échapper. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu ne peux pas échapper. Il dit mon corps là. Mon corps là. C'est mon corps. Quiconque le détruit par l'impureté sexuelle, je le détruis. Comme j'ai détruit Ananias et Saphira. Mais comme vous ne comprenez pas, c'est pourquoi je n'ai pas chose. Mais maintenant que vous comprenez, et toi-même en premier lieu, tu le comprends, dis à tes disciples là, tu comprends ça, et que vous vous détournez. Parce que quand je vais commencer à châtier, vous allez commencer à avoir votre douleur. Il dit, ça vient sur le monde chrétien, hein? C'est pas Eden TBI. Je ne parle pas Eden TBI ici. C'est tout le monde. Bon. Si tu crois que c'est faux, continue. Sache au moins, tu sais au moins que Satan est au courant. Tu sais au moins que Satan est au courant de ta vie. Et il est venu pour faire quoi? Pour détruire, égorger et tuer. On te dit ça. Pourquoi? Parce que il prend la parole de Dieu et te présente. Ton père a dit que c'est lui qui garde pas, qui détruit son temple, lui le détruit. Lui, Satan, a le droit légal de te détruire. Parce que la parole de Dieu le dit. Il a dit il n'y a pas à jouer. Il dit, mais je vous ai racheté. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps m'appartient. Livrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Comprenez? Très important. Donc, je ne voulais pas donner cette partie-là. Je voulais le laisser, mais tout de suite là, l'esprit m'a dit, il faut parler. Bon. Il peut qu'il y ait des gens dans ça et qu'ils se reprennent eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils s'amusent avec ça. Tout le monde, ceux qui sont à la télé, ces réseaux sociaux, ceux qui sont ici, pareil. Donc, voilà frère, des choses que nous devons prendre au sérieux pour aller de l'avant.